Vous avez entendu cette chose-là déjà. La guerre était sur Rome. Il était le seul à pouvoir repousser l'armée ennemie. Mais il avait son travail de cultivateur. Ils sont venus lui enlever la charrue des mains pour qu'il alla combattre l'ennemi. Et quand il a vaincu, il a repoussé les honneurs, il a repoussé les fonctions, il s'est remis à sa charrue et... Donc je vous le dis comme ça, si vous avez du temps, vous lirez un petit peu ces légendes latines, mais celle-là, elle vaut la peine parce que c'est le modèle même du vrai homme politique. On en a un, Vesna va nous le dire, c'est le président de l'Uruguay. Oui, tu peux dire son nom ? C'est bien, c'est bien, c'est pas grave. Quelle est la particularité de cet homme politique ? Il est pauvre, il donne tout son salaire aux pauvres, il se véhicule dans une Volkswagen verte qui a 37 ans, donc il n'est pas dans un truc rutilant, il n'a pas une suite. Il n'a pas de garde, il n'a personne pour le protéger directement. Il vient tel qu'il est, dans sa ferme, il va donc diriger un pays, et il a eu à la charge difficile d'un pays qui sortait d'une guerre civile lourde, c'est-à-dire un pays appauvri, il le restitue. Il a fait tout ce qu'il a pu, il a offert tout ce qu'il a pu, et l'exemple est celui-là. Donc évidemment, c'est normal que vous ne le connaissiez pas, puisque les médias n'ont pas pour fonction de relayer le bon, le vrai, le juste et le beau. J'espère que vous l'aurez compris. C'est mon argumentaire quand on me parle des médias en disant « Oui, mais attends, les médias, ils sont là pour améliorer la relation entre les politiciens et le peuple. » Quel peuple ? Où ça, le peuple ?